Je vous laisse un petit temps pour partager et puis on va appeler le docteur Fakoly. Concernant les sacrifices, quelle que soit la personne, les sacrifices niveau national, là, il ne faut pas le faire. Faites vos prières, jeûnez les lundis et les jeudis, purifiez votre âme. Ça, c'est pour vous-même, pour vous rapprocher de notre Créateur. Maintenant, les autres trucs, là, quel que soit le politicien, il ne faut pas le faire. C'est un pays qui n'est pas dans le bon sens. Ils ne vont jamais vous dire de faire des sacrifices pour vous-même. C'est n'importe quoi. Depuis que la Guinée est Guinée, depuis que la Guinée est Guinée, on fait des sacrifices. Ils tuent les bœufs au carrefour. Si ça, depuis que la Guinée est Guinée, c'est comme ça. Ça n'a jamais rien changé. Tous les régimes l'ont fait. Ce n'est pas une nouveauté. On l'a toujours fait. Ils l'ont toujours fait, ces gens-là. Donc, on ne va vous dire aucun sacrifice de faire que de... Que ce soit Alpha ou quelqu'un d'autre. Moi, en tout cas, je ne fais pas. Si vous voulez faire, il faut faire. Maintenant, vous allez voir que vous prenez des décisions. Vous revenez sur vos décisions. On oublie vite. Vous voyez, les élections qui se sont passées, tout le monde a presque oublié. Pourtant, on sait tout ce qui s'est passé avant et après. Tout ce qui s'est passé, nous sommes tous au courant. On fait semblant d'oublier. On passe à autre chose. C'est à cause de tous ces sacrifices-là. Et quand toi, tu n'es pas protégé, c'est pas un marabout qui te protège, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui te protège. Mais il faut te rapprocher de lui. Et savoir que c'est la seule divinité, c'est le seul. Il n'y a pas 36 000 versets l'Oba. Et quoi, bah, j'ai rêvé de la mangue, j'ai donné, j'ai rêvé du riz. Tout ce que vous rêvez d'aliments là, il ne faut jamais donner. Jamais. On a fait ça pendant des années et des années. Tu fais un rêve, tu te lèves, tu pries. Tu demandes à Allah de te protéger. Si c'est un mauvais rêve, il n'a qu'à transformer en bon. Si c'est un bon rêve, c'est lui qui sait. Il n'a qu'à te protéger, qu'il te guide. Les noms de Dieu que tu connais là, il y a Nour, il y a Rahman, il y a Fatah, il y a Kabir. Tu dis ça le nombre de fois que tu peux. Quand tu es fatigué, tu arrêtes. Toutes les invocations, il n'y a pas d'heure pour ça. C'est toute la journée que tu peux invoquer Dieu parce qu'il est partout avec toi. Les gens là ne sont pas avec Dieu. Tout ce qu'ils vont vous dire d'aller là, c'est... Faut pas le faire. Quel que soit le politicien, quel que soit le politicien, peu importe, il faut jamais le faire. Il y a un politicien qui va te dire de faire un sacrifice, c'est pour lui-même, hein. Donc voilà. Essayez de partager un peu, on va l'appeler. Comment tu vas? Ah, je t'ai vu. Comment tu vas, ma chérie? Mon mère, Silla n'a dit. Salam. Silla, ramène à Sarah Kabariba au garou. Non, vous voulez Sarah Kabariba? Mais il y a un nombre de gens qui ont dit que je suis fait. Ou on sali. Et qui fou sali ton goût. Et n'a pas l'angoum. Mais il faut faire ça. Cousin n'a dit. Youtube, salam. Femme à n'y. Ou à ta voile, ben on a. On a au moins invité, on a fait rasser le sentin et le rendez là-bas. En fait, le direct qu'on va faire aujourd'hui était déjà prévu parce qu'on avait entendu parler de certaines pratiques qu'il faisait. On en avait déjà parlé. Comme Dieu nous aime, Ibou, comment tu vas? Comme Dieu nous aime, la fois dernière, ils ont fait passer leur communiqué. J'ai dit, ah, ça tombe bien. Tu as vu, non? Voilà. C'est des trucs dont on a tous entendu parler. Mais tu vois, quelquefois, on se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et les petits détails et tout ça. Bonsoir, docteur. Yaya Bangoura n'a dit. El Bangoura n'a dit. Kandi. Kindi Ake. Allô, docteur. Allô, oui, bonsoir, Marie. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Tout va très bien. Et vous? Ça va, Dieu merci. Alhamdulillah. C'est pas moi, hein. Vous, j'ai dit vous, lui, vous l'entendez, lui? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous l'entendez? Hein? Vous l'entendez ou pas? Allô? Moi, je vous entends. Non, 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 c'est pas toi, eux. Ok, ils entendent. Ils entendent. Donc, on va commencer. Partagez, s'il vous plaît.
On va commencer par la bague. La bague qui vient de l'Inde. Alors oui, Marie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le peuple de Guinée, à toute la diaspora. Bonsoir à toi aussi, et tout le monde te salue. Et plus particulièrement à notre sœur de Soukondé. Elle va écouter. Aux États-Unis. Et je remercie tous ceux qui sont de loin ou de près et qui nous écoutent. Parce que la Guinée est une famille. Nous sommes arrivés maintenant à un niveau où on cherche à ce que la Guinée sorte de la gueule du loup. Et cette fois-ci, on ne parle pas d'un politicien. On parle des sacrifices sataniques que Alpha Condé est en train de faire. Parce que si le monde observe Alpha Condé, quand il parle, il a une bague. Et cette bague est satanique. Et il a une hyène à Ségoutouéa. Bon, c'est pas une hyène, mais c'est un chacal qui vient de la Mauritanie. Et un bélier aussi à Ségoutouéa. Et la bague qu'Alpha Condé porte, je parle avec précision. La bague là a été imbibée dans le sang des Guinéens. C'est-à-dire, ils ont égorgé à un moment, il y a 2 ans de cela environ, ou 3 ans, le peuple de Guinée s'est réveillé, le peuple de Conakry, ils ont trouvé un albinos égorgé sous les rails. C'est le sang de cet albinos que Alpha Condé a utilisé, mais ils n'ont fait aucune enquête. Le fils du Guinée. Frère. Donc, Alpha Condé, le sacrifice, la source vient d'où? Ça vient de son marabout qui s'appelle Cheikh Ould Mahmoud, qui vit à Mauritanie. Cheikh Ould Mahmoud, il vit à Mauritanie dans la ville de Boutilimit. Dans la ville de? Boutilimit, à Mauritanie. Donc, c'est ce marabout-là qui lui a dit de faire ses sacrifices sataniques. Pour qu'il puisse rester au pouvoir. Et il lui a donné un chacal. Les gens disent qu'il y a une hyène à Ségoutouéa. Ce n'est pas une hyène, puisque c'est un chacal. Il n'y a pas d'hyène en Mauritanie. Allô, docteur? Oui? Parce que vous savez, hyène, chacal, loup, chien, c'est souvent la même famille, ou bien un peu? C'est la même famille, oui. C'est pourquoi nous, on ne connaît pas la différence. Donc, on peut dire hyène. On peut dire renard même, renard même. C'est la même chose, renard, hyène, chacal, c'est la même famille. Donc, cette hyène a été donnée à Alpha Condé et qui doit boire le sang humain une fois par an. Donc, c'est pourquoi il y a des disparitions des jeunes ou des albinos ou bien des personnes égarées. Les familles ne peuvent plus faire leur deuil. Personne ne le fait si ce n'est pas Alpha Condé. Donc il y a une hyène qui est là actuellement à Ségoutouéa. Cette hyène est alimentée une fois par an du sang humain. Et Alpha Condé, si on a constaté, si peut-être ceux qui sont auprès de lui, ils seront étonnés, pendant le ramadan, Alpha Condé a fait le tour de Ségoutouéa nu, mais l'hyène, il avait la laisse de l'hyène. Il avait pourquoi quoi il a fait? Il a fait dans la cour de Ségoutouéa. Il était nu entre 3h et 4h du matin. Il était avec son hyène en train de faire, en train de marcher et ses gardes-corps l'entourent. Ses gardes-corps, je dis bien, c'est vrai homme secret. Donc Alpha Condé a fait ça. Pendant le ramadan. Au pouvoir. Pendant le ramadan. Pendant le ramadan, je dis bien, j'en viens petit à petit. D'accord. Pour que les Guinéens sachent pourquoi Alpha Condé a annulé les prières de nuit. Pour que les Guinéens sachent pourquoi ce bandit-là, Ali Damal, nous a interdit
de prier, de faire les prières de nuit. Donc, l'IEM se trouve aujourd'hui à Ceuturea. Et comme un bélier blanc, c'est Alpha Condé, attache tous les jours à Ceuturea en face de son bureau. Mais la nuit, ce bélier passe la nuit dans son bureau. Mais ce bélier n'est pas attaché, mais il ne casse rien. Il ne fait pas de saleté, il ne fait rien. Il est au bureau d'Alpha Condé jusqu'au matin. Petit matin, on le fait sortir. Donc, ce sacrifice satanique est là, est réel en Guinée. Personne ne tue en Guinée, c'est Alpha Condé. Je réponds à cette première partie concernant la base. Ah, d'accord. Donc, attendez. Donc, c'est-à-dire, je vais expliquer un peu pour qu'ils comprennent le concept. Le mouton là, le mouton dort dans le bureau de Alpha, sans loup, sans corde. C'est à eux que j'explique quoi. Sans corde. Mais malgré qu'il n'a pas de corde, il ne casse rien et il ne fait pas caca dans le bureau jusqu'au matin. Le mouton ne fait pas de déchets. Voilà, il ne fait pas de déchets dans le bureau, il ne casse rien. Les moutons que vous connaissez là qui tournent, un mouton dans un bureau qui ne casse rien, qui est réglo, quoi, comme un être humain. C'est ça qu'il veut dire. Quoi. Mais un bélier, tout ça là, ça vient. Tout ça là, ça vient de Mauritanie, chez Cheikh Ould Mahmoud, de Boutilimit, en Mauritanie. D'accord. Oui. Oui. Voilà. Maintenant, là, il y a un autre truc encore. Je pense que c'est une carapace, je crois, selon mes informations. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Parce que bon, on apprend beaucoup de choses qui sont pas vraies aussi. Donc... Il y a une affaire de calebasse, de bain dans la calebasse et tout ça. Ça c'est Alpha Condé a une calebasse magique qui a été travaillée par un féticheur, un marabout et ce médium, féticheur marabout médium qui vient de Bénin. C'est un Béninois qui lui a fait. Donc Alpha Condé se lave dans cette calebasse deux fois dans l'année avec le sang du sang humain. La calebasse est là à Ceuturea et avec lui. Et je parle avec précision. Toutes les informations de Ceuturea depuis que nous avons commencé nos vidéos jusqu'à l'heure là, je pense bien nos interlocuteurs ou bien les auditeurs, tout le monde a vu les réalités. Tout ce qui est de Ceuturea, je suis informé. Tout ce qui est de la primature, je suis informé. Donc même le vol de l'argent à la primature, c'est casse-couille. Je suis informé, mais ça, c'est un autre cas. Sujet. On n'en parle pas. D'accord. Donc, la calebasse magique existe bel et bien à Ceuturea, qui a été travaillée par un féticheur béninois que je garde le nom dans l'anonymat. D'accord, c'est mieux. Oui. Donc, l'hyène, c'est le renard, le chacal, bon, l'animal bizarre et le mouton, ça, c'est Ouldou, machin de Mauritanie, c'est ça, là, Ouldou, je ne sais pas quoi, là. Et la calebasse, ça, c'est le bien. Cheikh Ould Mahmoud, c'est un marabout. C'est un marabout qu'Alpha Condé donne des millions et des millions, je dis bien par semaine. Par semaine. C'est ce marabout-là qui a autorisé Alpha Condé d'égorger un albinos. C'est ainsi qu'un matin, les Conakricains se sont réveillés. Ils ont vu un albinos égorgé sur les rails. Mais le sang, Alpha Condé l'a déjà récupéré. En collaboration avec certains de ses proches. Mais on continue. Donc, pour l'albino, c'était juste pour le sang. C'était pour le sang. C'était pour le sang. Oui. Mais le ramadan, le fait que... parce que ça, moi-même, j'ai appris ça chez deux ou trois personnes pour l'affaire de l'hindou là qui a dit d'interdire les prières de nuit parce que ça fatigue son travail, ça le fatigue et tout. Ça là, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que moi j'ai deux trois personnes qui m'ont dit ça. Mais maintenant, pourquoi interdire les prières de nuit? Ça les fatigue dans quel sens? Merci. Et j'en viens d'abord avant le ramadan parce que le même marabout qui vient de l'Inde lui avait dit de sacrifier quelqu'un. Parce que l'année 2021 sera une année difficile pour lui. Donc, ils sont partis à Dauphilly. Ils ont sacrifié un jeune
mentalement dérangé, un malade mental. Ils sont allés où? Ils ont évolué à Dofili, derrière Dubreka. Dofili. Ils ont sacrifié un jeune. Mm-hmm. Et le sang a été acheminé à Ségoutouréa par un de ses proches, accompagné de Dr Diané. Parce que Alpha Condé n'a que des... des hommes sataniques à côté de lui. Ça, c'est un. Tout ça, c'était pour prévenir le pouvoir d'Alpha Condé. Mm-hmm. En plus, mm-hmm. ils ont coupé la langue d'un jeune prisonnier et parti le jeter mm-hmm. dans la piscine de Bondabo. Mm-hmm. Après, on a dit que le petit s'est noyé. Mm-hmm. C'était archi faux. La langue a été coupée et ses parties génitales mm-hmm. et sa partie génitale mm-hmm. pour donner à Alpha Condé. Et le marabout devrait travailler là-dessus. Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le marabout a dit à Alpha Condé, mm-hmm. si tu laisses continuer, et ceci, si tu laisses le peuple continuer faire les prières de nuit, mm-hmm. ça, Dieu vous le dit, dans 2 mois, ton pouvoir n'a plus de chance, ou bien dans quelques semaines. Et là, tu vas tomber dans un coma, tu ne vas plus te réveiller. Mm-hmm. Mais il faut le empêcher. Mm-hmm. C'est comme le cas, le 20 mai passé, le jeudi, mm-hmm. le jeudi qui vient de passer, mm-hmm. on a arrêté une femme, une jeune fille de 25 ans qui s'appelle Alimatou Fall, mm-hmm. sénégalaise, mm-hmm. avec 1 500 000 de dollars. 1 500 000 mm-hmm. de dollars dans une fausse valise diplomatique mm-hmm. à Malaisie. Mm-hmm. C'était notre argent. Quand le jeune, la femme a été saisie, la jeune dame, mm-hmm. a été arrêté, mais vous avez une valise diplomatique. Présentez-nous votre passeport diplomatique. Mm-hmm. Une Sénégalaise qui possédait notre passeport ordinaire. Mm-hmm. Donc les policiers ont dit que donc, la valise diplomatique là est fausse, parce que les Guinéens savent, quand il y a une valise diplomatique, mm-hmm. tu dois être muni d'un passeport diplomatique. Oui. Tellement que les péchés des Guinéens mm-hmm. ont frappé mm-hmm. Ali Zamal, mm-hmm. c'est lui qui avait commissionné la jeune dame dans sa valise diplomatique, 1 500 dollars, mm-hmm. 500 000, mm-hmm. 1 500 000, mm-hmm. tout est en biais de 100 dollars, plus mm-hmm. 5 doigts humains. Mm-hmm. 5 doigts humains. Écoute, Marie, en Malaisie. Donc, la femme, jusqu'à présent, elle est arrêtée. C'était le jeudi 20 mai. Mm-hmm. Elle a arrêté et la femme, dans sa déposition, mmh. elle dit qu'elle est la copine d'Ali Zamal. Ce n'est pas la première fois. Et mmh. Ali Zamal a construit pour elle au Sénégal mmh. et à Dubaï. Et c'est celui-là qui nous empêche de faire les prières de nuit, tandis qu'il est le premier cas. On dit le premier responsable religieux, mais qui n'a pas une deuxième femme, mais qui a une copine, Marie. Mmh. Maintenant, j'en viens pourquoi les prières de nuit maintenant ont été arrêtées. Mm-hmm. Le marabout a dit à le marabout ou féticheur, mm-hmm. arrête les prières de nuit. Parce que les prières de nuit bloquent l'avancée de tes génies. Mm-hmm. Nous bloquent tout le bon chemin. Donc, Ali Zamal a dit qu'on n'a qu'à faire Gloria, on n'a qu'à faire tout, ça ne vient pas de lui. C'est parce qu'Alpha Condé, son marabout, lui a dicté. Ali Zamal a été appelé par Alpha Condé. Donc, le peuple n'a qu'à utiliser les Fankadama et autres. Donc, Ali Zamal devrait être arrêté aujourd'hui. L'heure à laquelle je te parle, aujourd'hui, Ali Zamal ne peut plus voyager dans certains pays. Parce que Ali Zamal est rentré une fois. Quand il rentre pour la première fois en Guinée, elle est venue menotter. Mais les Guinéens n'ont pas cherché à comprendre pourquoi Ali Zamal a été menotté. Mm-hmm. Les choses au Moyen-Orient. Donc, mmh. Ali Zamal, maintenant, pour envoyer à Bangladesh la fille, puisque la fille ne peut pas aller, la femme ne peut pas aller en Inde. La femme avait le rendez-vous avec l'Indien, avec le marabout, le petit cher, mmh. à Bangladesh. Avec ses 5 doigts humains pour pouvoir garder Alpha Condé et son groupe au pouvoir. Donc, l'argent a été saisi, la dame est arrêtée. Donc, pourquoi Alpha Condé nous a empêchés de faire ça, là, les prières de nuit, c'est parce que Alpha Condé sait que les prières de nuit, selon son marabout, s'il fait la prière de nuit, si une seule mosquée fait la prière de nuit, mm-hmm. après les informations qu'il a données mm-hmm. aux imams, mm-hmm. donc Alpha Condé ne peut pas rester au pouvoir jusqu'à fin juin.
jusqu'à fin juin. Ah, donc selon lui, si les prières de nuit avaient continué, Alpha Condé ne va pas rester au pouvoir jusqu'au 5 juin, selon leur gars là, leur monsieur là. Jusqu'à fin juin, oui. Je comprends maintenant. Donc, il fallait trouver un stratagème pour ne pas qu'on prie. Et il y a peut-être aussi, pendant le ramadan, je dis bien Marie, vendredi 16 avril, vendredi 16 avril, Alpha Condé aujourd'hui à Tiboutouya, il a trois marabouts, il y a un qui vient de Tombouctou, il y a un qui vient de Bénin, il y a un qui vient de la Mauritanie. Celui de la Mauritanie est payé actuellement en or, en lingot d'or. Tous ces trois marabouts-là sont aujourd'hui, ces trois marabouts ou bien médiums ou bien petits chefs sont aujourd'hui à Tiboutouya. Parce que les jours d'Alpha Condé sont proches, c'est ainsi que vendredi 16 avril, en plein ramadan, Alpha Condé a envoyé Dr Diané à Sironconi avec quelques proches, égorger des prisonniers et prendre leur partie génitale, leur amener à Tiboutouya. Donc, parmi les prisonniers qui sont aujourd'hui à Sironconi, certains partiront rendre visite à leurs proches, mais le 16 avril, deux ont été égorgés et leurs parties génitales ont été enlevées. Si Tiboutouya, si Zelen était président, la Guinée n'allait pas connaître ça. La Guinée n'allait pas connaître ça. Docteur. Oui. Ah ouais, bon, on va te remercier, on va laisser comme ça. Hein? Oui. Pardon. Donc, c'est vrai, c'est choquant. Oui. Moi, j'ai entendu beaucoup de trucs, mais bon, quelquefois, je me dis, c'est pas 100% vrai, quoi. Là, ça confirme certaines choses que j'ai entendues. Donc, je suis désolé, hein. Non, Alpha Condé, son pouvoir est fini. D'accord, docteur, on va rester là, pardon. Merci beaucoup. Je vais rappeler plus tard, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok, je remercie tout le monde. Ouais. Ah. Bon, je suis désolée, hein. J'ai envie de vomir, quoi. Bon, je suis désolée, hein. On va rester là. Oui, mais vous pouvez pas comprendre certaines choses. Je suis sincèrement désolée. On va rester là. L'essentiel est dit. Ça va rentrer. On va rentrer dans les trucs qui sont très très choquant. Moi, j'ai pas envie de ça. Il faut prier, continuer à faire des invocations. Je le dis, avant même ces élections, la Guinée n'est pas sur le chemin de Dieu. Toutes mes vidéos, je parle de ça. Je mets deux ou trois phrases par rapport à ça. Je vous ai dit, il y a des petits détails, de rien du tout. Tous les présidents qu'on a déjà eu, ils ont tous fait des pratiques comme ça. Mais chaque ethnie défend son président. Chaque ethnie défend son ethnie. Le signe là même, c'est satanique. Tout être humain devant Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, on est égaux. Lui, il n'a pas d'ethnie, il n'a pas de race. Mais les gens qui s'alignent derrière les gens par rapport à leur ethnie, c'est des cafres. Donc notre pays là, c'est nous qui savons là où nous sommes. Ça, c'est pas le fait qu'il a commencé ça des... Tout ce que Alpha fait, il a trouvé ça en Guinée, parce qu'il ne faut pas mentir. Il a rajouté sa part. Tout ça là, ça vient de quoi? Tous ces sacrifices là, ça vient... Parce que souvent, les présidents qui sont là, le peuple ne veut pas d'eux. Toutes les élections en Guinée ont toujours été truquées. Ça, c'est pas Alpha qui a inventé ça. C'est pas lui qui a inventé. Donc, ce que je vais vous dire, continuez vos prières et vos invocations. C'est pour vous-même. Si tu vois qu'un truc ne te prend pas, c'est que tu es avec Allah. Dès que tu arrêtes les prières, les invocations, tu vois que tu commences à douter, tu commences à hésiter. Ça, c'est Shaitan qui fait cela. Donc, le monsieur là, ce n'est pas la blague.
Il n'a rien inventé. Il est sur un truc qui est mondial. Pour eux, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. En Guinée, toutes les semaines, quelqu'un est disparu. On a un enfant là-bas. Voilà ci, là, voilà ça, là. Donc, continuez vos prières, vos invocations. Allah Oumba, Sentane, nous Sentane, te yira. Dine l'islam, Yahweh, Allah Kei Basutoué. Nere yate kan finir musulman na. Dounia Oumwani, elu dine manoko. Allah Kei Basutoué. Et l'on nous dalil yo utilise fait Allah Kanira. Afindin dendera. Ina la Guinée ne ba, yamuda Guinée ba, Guinée ba, kame ba, dume ba, foriba. C'est-à-dire, à la connaissance, yo so yira. Et ta mouna utilise fait dine l'islam, Kraya Oumba, Sentane, Nambalofi, Sentane, Nankifi. Qui que tu sois, qui que tu sois, si tu n'utilises pas ton don et ta connaissance, chacun de nous est né avec un don. Dieu n'a créé personne comme ça, comme ça, sans rien. Il a créé tout le monde avec un petit quelque chose, avec une connaissance pour te défendre, pour te battre, mais dans le sens de l'islam. Si nous les Africains, particulièrement les Guinéens, on prend ça pour utiliser dans un autre domaine, pour bloquer les gens, pour bloquer les gens qui ont gagné, comme les dernières élections là, sait qui a gagné. Tout le monde le sait. C'est-à-dire, ils sont partis mettre ça sous le mont Everest. Pour parler de ça, il faut aller sous le mont Everest pour parler d'une victoire que tout le monde sait qui est réelle. Tu parles de ça, tu as tous les ennemis qui te tombent dessus. Mais Dieu aime la vérité. Si tu ne veux pas la vérité, tu vas te mettre dans les problèmes et dans le mensonge. Granadi, maintenant, les bruits qui courent que Alpha il est malade bas. Il est dans le coma bas. Il est mort bas. Je ne sais pas. Tout ça. Il faudrait que vous sachiez une chose. Que Alpha meurt au pouvoir, ce n'est pas une victoire. Ça, c'est un autre problème encore. Donc, dans vos prières, il ne faut pas prier pour ça. Hein. Il faut prier qu'il ait longue vie, mais hors du pouvoir. Pour qu'il se rende compte dans le foutoir dans lequel il a mis la Guinée. Parce que s'il meurt, il ne va pas voir. Mais s'il n'est pas au pouvoir et qu'il voit celui qui vient après lui, comment lui va travailler, c'est là qu'il va se dire, ah non mais, j'ai fait une erreur. C'est très important. Maintenant, ce que j'ai à dire globalement, en gros, ceux qui ont peur qu'on ne se retrouve dans le cas que Konté nous a laissé, paix à son âme, mais vous êtes sur ce chemin-là, pourquoi? Ce chemin-là, tout ça, pourquoi? Parce que vous voulez éviter d'aller. 2010, vous avez voulu éviter d'aller. Nous voilà là où nous sommes. Pardon. 2021, vous voulez éviter d'aller. Nous sommes sur une route. Après Alpha, il paraît qu'il y a son fils. Il y a Docteur Gianné. Il y a Damaro. Il y a Kassori. Qui encore? Il y a 4 ou 5 personnes. Vous préférez vous battre contre 4 et 5 personnes, tandis qu'il y a quelqu'un qui a déjà gagné. Si vous êtes fort en politique, ou en satanisme, ou peu importe, rendez la victoire à qui de droit, et combattez celui-là aussi pendant qu'il est au pouvoir. Puisque lui l'a combattu Alpha sur le terrain, il était en Guinée pendant 10 ans, il était là, il n'est parti nulle part. Tandis que Alpha c'était un politicien touriste. Il vient pendant les élections, il repart. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un, ce qu'il fait, il faut le reconnaître. À force de vouloir éviter ces loups, on va se mettre dans un problème plus grave que ces loups. C'est ce que je ne comprends pas. Dire qu'il n'y a pas eu d'élection transparente, il n'y a jamais eu d'élection transparente. Ce n'est pas la Guinée seulement, même aux États-Unis, il y a toujours des problèmes. Même ici, l'élection de Macron, il y avait des doutes dessus. Ça, c'est comme ça. Maintenant, ce que je ne comprends pas, tous ces hommes politiques-là, vous ne pouvez pas fatiguer ce Lucas, il sera au pouvoir. Vous ne pouvez pas le fatiguer. Vous ne pouvez pas maintenant qu'on finisse avec la fausseté. Quelqu'un a gagné. Tout le monde sait qu'il a gagné. Dire même qu'il a gagné, c'est un problème. On est sur le chemin de Dieu avec ça. Dieu n'aime pas le mensonge. On va continuer. Il faut continuer. Quand Dieu a dit, ton enfant là, c'est lui qui va réussir. Tu dis que non, moi l'enfant là, je ne l'aime pas.
c'est l'autre, c'est la femme de l'autre enfant là que j'aime. Il faut que ce soit celui-là qui réussisse. Tu fais maraboutage, tu fais tout ce que tu veux. Tu vas mettre l'enfant de l'autre en retard. Hein. Mais comme c'est lui qui doit réussir, pour vous aider, vous serez tous en retard. Et finalement, c'est lui qui va réussir. Quand il y a eu 3 élections, une personne a gagné 1 ou 2 fois, vous confisquez cela. Je pense que là, nous sommes en train de vouloir combattre Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. On veut combattre Dieu. Je ne vais pas suivre quelqu'un dans ça. Non, je ne le ferai pas. Maintenant, vous allez avoir un groupe. Quand ça va dégénérer dans un autre sens, à cause de ces mêmes élections-là, il y a eu les prisonniers, il y a eu des viols, il y a eu des morts, avant et après les élections. Tout cela finit à cause du mécontentement de Alpha. Il y a eu des guerpissements. Juste à présent, les gens ne veulent pas faire marche arrière. Ils sont en train de foncer. Ils sont en train de foncer. Ils sont en train de foncer pour éviter une seule personne. C'est loup. Mais moi, je veux voir ce loup-là au pouvoir. Pour le combattre au pouvoir. Vous, vous n'êtes pas des hommes. Mais moi, je ne comprends pas. Moi, en tant que femme, je veux combattre ce loup. Mais quand il est au pouvoir, vous, pendant que vous êtes homme, vous ne pouvez pas rendre la victoire de quelqu'un pour le combattre pendant qu'il est au pouvoir. Subhanallah. Donc, vraiment, la guidée, là, c'est aux femmes qu'on avait donné. Comme vous, vous êtes dans vos histoires de serres, de produits, de mèches, de danser et d'être derrière les hommes qui ne sont même pas choisis. On a eu 5 présidents hommes. 0 partout. Tous pareils. 4 ou 5, je ne sais même pas. Ils sont tous pareils. Parce que c'est le même système qui a continué. Le même système jusqu'à aujourd'hui. Quand on veut nous enlever dans le système, vous dites que non. Les Kassori et autres que vous voyez là, eux, ils sont rattachés à un système caché. Il y a des familles cachées. C'est même pas... Ceux-là aussi sont dans un autre système. Entre 500 et 1000 personnes. C'est eux qui gouvernent la Guinée depuis que la Guinée est Guinée. C'est eux qui bousillent toutes les familles là. Tout est décidé par là-bas. Pour une fois, on a une deuxième chance. Pour sortir de cela, vous dites que non. Vous ne voulez pas sortir de ça. C'est-à-dire, tu veux camoufler Ageyam Toma Geyahambira. Yo. Quand est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as tout. Yo. Mais autant moi, je suis dit que tu as fait. Faut que tu aies bonne chance. Mais si vous remettez les gens, c'est toujours vous les hommes. C'est toujours vous. Moi, je ne resterai pas derrière un homme. Hein? Non! On vous a déjà vu ce que vous êtes capable de faire. Même réfléchir correctement. Excusez-moi du terme, les hommes qui me regardent. Même réfléchir correctement, les hommes guinéens ne peuvent pas le faire. Réfléchir correctement. Toujours des mauvaises décisions. Toujours. Toutes les décisions qui ont été prises, c'est toujours vous. Pourquoi vous nous faites cela? Pourquoi? Pourquoi? Vous allez avoir la fin du monde à cause de ces loups. Vous allez donner tout le poids là, c'est loudale. Parce que vous êtes en train de donner du poids. Tu sais, quand quelqu'un se rend compte que beaucoup de personnes lui font la guerre, Allah a été kanana. Ou t'as manié qu'Allah a été kanana. Mais c'est ça. Il a été le seul à affronter Alpha. T'as dit, tu as entendu de ces choses. Et c'est les hommes qui disent ça. Ah, ça c'est de la folie. En Afrique, tu ne peux jamais gagner contre un président qui est au pouvoir. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait. Il a utilisé un logiciel. C'est quoi sa récompense? C'est quoi sa récompense? Il n'a qu'à quitter devant nous. C'est ça sa récompense? Alors moi, je ne suis pas dans ça. C'est lui qui s'est présenté. Il a eu le courage de se présenter contre quelqu'un qui est au pouvoir. Et il l'a humilié avec preuve à l'appui. Amener des cœurs. Il y a des têtes de mort qui sont là. Aujourd'hui, je ne veux pas vous insulter. Je ne me sens pas bien. Avec tout ce que le monsieur l'a dit là. Et je sais que c'est vrai. Donc, continuez à éviter. Parce que vous avez peur de lui. C'est ça. C'est le seul. C'est le seul homme politique qui fait trembler Alpha Condé. Wallahi, il faut dire la vérité. Dieu aime ça. Il va t'aimer encore plus. Quelqu'un qui
affronte un homme politique. Tu es au pouvoir, il t'affronte. Il fait une campagne. Il amène un logiciel. Ça, c'est le travail de l'État, le logiciel là. Les résultats là, on va les publier ici. On va s'asseoir, publier ville par ville et commenter toutes les villes. Inch'Allah. Je vous dis merci. Tous les ennemis de l'islam, tout le monde est musulman. Quiconque aime la vérité, tu es musulman. Quiconque aime la propriété, tu es musulman. Quiconque est juste, équitable et généreux, tu es musulman. C'est pourquoi on dit que tout le monde est musulman. Maintenant, lire le Coran, mémoriser le Coran, aller à la Mecque, quoi. C'est comme quand tu vas dans une banque, tu vas avec un dossier. Dossier complet. On te donne un crédit. Quelqu'un d'autre vient, son dossier n'est pas complet. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bien gérer l'argent qu'on va lui donner. Toi, tu as rempli les conditions pour avoir de l'argent. L'autre n'a pas rempli, mais tu n'es pas mieux, tu n'es pas mieux en gérance que celui-là. Ah ouais, les cinq piliers de l'islam, là, il y a des gens qui remplissent, là, ils n'ont pas la foi. C'est pareil. Ils n'ont pas la foi. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala celui qui sait. C'est l'affaire de Seloudalen là. Et l'affaire de Peul là qui détruit ce pays. Moi, je ne suis pas là pour une ethnie. Hein. Je ne suis pas une attardée mentale. Quelqu'un qui se limite à son ethnie et à sa race, c'est un attardé. C'est que dans ton cerveau, ça ne va pas bien. Un bon musulman, même si quelqu'un ne t'aime pas, en tant qu'être humain, tu dois l'aimer. Si toi, tu te dis que tu n'aimes pas quelqu'un parce qu'il est catholique, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça, ou il est de telle ethnie, ou il est blanc, ou il est allemand, ou il est chinois, c'est que mentalement, ça ne va pas dans ta tête. Mets-toi à la place de cette personne. Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'élection, mettez-vous à la place de ce monsieur. Les femmes, mettez-vous à la place de Alimatou. Vous voyez, Guénée Kaba, narcotrafiquant. Elle est nulle, inutile et non avenue. Le discours même qu'elle a tenu à Cancan, ça dit tout. Ils ont bricolé un mariage. Les autres sont mariés plus de 30 ans. Guénée Kaba et Alpha, ils ont... C'est un pays satanique, ce pays-là. Les religieux ont vu tout ça. Un mariage de bail, de location bricolée, juste pour accéder au pouvoir. Un pays musulman, pour accéder au pouvoir, tu bricoles un mariage. Subhanallah. Les Guinéens, vous me faites trop rire. Wallahi, vous me faites rire. Mais vous me faites pitié aussi. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité, tu auras la honte sur toi tous les jours. C'est pourquoi on est l'un des pays les plus pauvres au monde. On n'en a pas honte. On est même fier de ça. Il faut être guinéen pour dire que tu es fier d'être guinéen. Le mot fier, je vous ai dit, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Le guinéen est orgueilleux dans le vide. On est fier, mais on est toujours chez les autres. Ça n'a pas commencé sur cette génération. Alpha, il a grandi ici. Pourquoi? Parce que c'était le même problème. Il veut combattre le système, il est rentré dans le piège de ce même système. Le groupe là, il est là. Les familles là sont là. Les familles là ne veulent pas de ces loups. Parce que quand il va venir, ça va baisser. Il ne peut pas les combattre. Hein, mais ça va un peu baisser. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas autre chose. Hein. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc l'UFDG, je répète. Je dis et je répète. Réclamez votre victoire. Parce que vous avez gagné. On va sortir les résultats là ici. Ville par ville. Inch'Allah, ces jours-ci. Vous allez voir les villes qui ont voté pour UFDG. Vous allez comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Et Bangoura, vous allez le voir. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas manifester. Il ne faut pas aller dans les rues. Regardez maintenant. Il n'y a pas de manifestation, rien. Même les manifestations là, c'était leur sacrifice à eux. Mais âme de peuple là et âme de quelqu'un d'autre, ce n'est pas pareil. Hein. Vous voyez ce qui se passe? Parce qu'on ne mange plus bien sur l'axe. Ça fatigue qui? C'est eux que ça fatigue. On est là. Donc les vidéos là, vous avez fait vos sacrifices là, ça ne va pas prendre. Moi je suis avec Dieu. Je crois en lui. Je sais qu'il aime la vérité. Je prie tous les jours pour qu'il m'amène dans le sens de la vérité. Si vous êtes homme ou femme, venez vous asseoir devant vos caméras en France. Vous dites que l'islam va sauver le monde. Si vous êtes homme ou femme, il faut faire ça. On va venir te demander que comment l'islam va sauver le monde. Moi, je dis ici tous les jours. Je ne me bats pour l'islam. Je ne me bats pas pour la démocratie. Hein. Je me bats pour l'islam. C'est un état d'esprit. C'est un style de vie.
Je vous le dis tout le temps, j'ai même oublié. Un mode de vie, un style de vie et un état d'esprit. C'est ça l'islam. Je vous le dis tous les soirs. Maintenant, si vous voulez bloquer ça à la mosquée, c'est que vous avez mis des limites à votre créateur. C'est-à-dire, mosquée, fini, il reste là. Vous partez, quand vous revenez à la mosquée, il est avec vous. Maintenant, montrez l'état d'esprit là, aux occidentaux. C'est ce que eux ils font, ils font. Quand Alpha vivait du social en France, ça c'est un mode de vie. Le social, on t'apporte le soutien. Arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Allah Yahweh, Kafiri, Allah Oreille de la Guinée. Les ennemis de l'islam. Vous êtes tous rentrés, les ennemis de la Guinée. La Guinée et l'islam, c'est quoi le plus fort? Moi, je combats les ennemis de l'islam. C'est pas les ennemis de la Guinée. Les ennemis de l'islam, ceux qui sont en Guinée là-bas. Les kafres. Quelqu'un qui se met devant tout le monde que j'ai honte d'être musulman. Alpha a dit ça devant tout le monde qu'il a honte d'être musulman. C'est pas caché. C'est pourquoi il voulait mettre l'étiquette de terroriste sur UFDG. Mais voilà un de vos frères qui prie en je ne sais pas quoi là. C'est vous qui faites tout ça. Mais c'est bon. C'est normal. Parce que c'est vous. Si c'est un peu qui fait ça, ça c'est notre problème. Je vous dis merci. Ne ressemblant n'a pas fait un adine et n'ambe. Alors, vous avez les réseaux sociaux. Vous avez des dédés. Alors, vous avez tout. Vous avez un centaine fait naki. Alors, un centaine vous avez les réseaux. Parce que c'est un temps de migrer, Allah subhanahu wa ta'ala oura yerebi. Allah l'islam triomphe, la Guinée. Allah la Guinée finit. Exemple là, l'islam a preuve la barre de la politique. C'est l'ouda l'engalo n'engénéri. Ouah, victoire confisquée. Allah oura yerebi, Allah oura souturé. Alpha est plus malade que moi. Parce qu'il est insuffisant, c'est quoi, quoi, là, vous voyez, il est gonflé de partout. Je n'ai pas envie de parler de son état de santé. Ça, c'est son problème, là, maintenant. Moi, ça, c'est pas mon, c'est même pas mon problème. Qu'il soit malade, bah, qu'il soit vivant, bah, qu'il soit mort, bah, sincèrement, c'est pas de mon ressort. Je vous dis que moi, je veux que l'islam triomphe. Si tu es un homme ou une femme, assois-toi devant ta caméra, tu dis ça. Dans deux, trois vidéos, tu vas voir. À Guinée, à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, hein. Continue à partager les vidéos. Faut partager les vidéos, faut les commenter. Il faut les partager, il faut les commenter. Les gens qui ne veulent pas là que je fasse des vidéos, je vais le faire. Jusqu'au jour que je vous l'ai dit, le jour que je serai fatigué, que je vais me dire non. Aujourd'hui, je ne peux pas, je ne le ferai pas. Vous n'avez aucun moyen de pression. C'est ce que je ne comprends pas. Ok, vous n'avez aucun moyen de pression. Mais les Français ne m'ont pas arrêté pour cette histoire d'islam. C'est vous qui allez m'arrêter. Je vous dis que si vous êtes des hommes, venez faire la publicité du voile devant votre caméra. On va voir si ça va arriver à trois vidéos. N'importe quoi. Des mécréants, des cafres. Vous priez cinq fois par jour. Vous mentez tous les jours. Tous les jours. Tu pries cinq fois par jour. Tu es hypocrite. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es musulman. Même dans les vidéos. Vous ne voulez pas qu'on sache cela. Et vous dites que vous êtes avec Dieu. Allah aura yerebi. C'est un temps de tuer la Guinée. Allah subhanahu wa ta'ala. T'as un coro solo ferida. T'as la Guinée là. Mengala, Allah a ouvert les yeux, Allah a ouvert les yeux. Voilà le nom de l'île utilisé fait Allah a canoura.